Chaque semaine, vous allez avoir ou un coup de gueule ou un coup de cœur. C'est merci ou non merci? Eh ben, cette semaine, c'est un merci et un grand merci à Philippe Catherine, l'homme qui a illuminé notre été, littéralement. Hein, sous le Schtroumpf. Le chanteur est apparu lors de la cérémonie d'ouverture des JO sous une grande cloche, nu et tout bleu. Et moi, j'ai tellement été impressionné par sa performance que j'ai voulu l'imiter. Voilà. Moi aussi, j'ai décidé de me déshabiller cette semaine, regardez, et de me peindre en rouge. Bah, pourquoi pas en rouge? Il y avait un slip quand même. Alors, j'étais pas hyper à l'aise, hein, j'avoue, ni de me balader dans les bureaux comme ça, ni de le rencontrer avec Morgan Stemmelin, surtout pour la télévision. Je me suis toujours dit que c'était un peu ridicule de se mettre nu devant plein de gens à la télé. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bah, en tout cas, vous ne l'êtes pas, je vous rassure tout de suite. Vous m'éblouissez. Ah, merci. Vous êtes superbe. C'est la première interview que vous donnez habillée. Qu'est-ce que ça vous fait? Habillée, vous vous sentez quand même moins... moins offert, moins disponible. Ah, disponible, il l'a été jusqu'à faire grincer des dents. Alors j'en ai profité pour lui poser, lui demander pourquoi, à son avis, se mettre nu à la télévision, c'était toujours un peu subversif. Moi, ça me, en tant que téléspectateur, ça me gêne quand quelqu'un ne se sent pas à l'aise nu. Par contre, quand la personne est nue, se sent bien, bien, on se sent bien en tant que téléspectateur. On a l'impression que c'est quelque chose d'un peu sexuel que d'être nu. Alors que pas forcément. On a aussi d'autres organes. C'est vrai. Le nombril. Le nombril que vous n'avez pas eu l'idée de, pas de peindre. Pourquoi? Je déteste qu'on touche le nombril. Ah tiens. La tentation est forte. D'y aller. Oui, il m'en reste encore un petit peu. Encore un petit peu. Ouais. Parce que je le lave. En fait, je me suis aperçu que je le lavais jamais. Ah bah ouais, on est tous pareils. Ah, on est tous pareils. Bah, c'est une bonne question. Est-ce que vous lavez le nombril, vous? Laver le nombril? Ouais. Je me lave entièrement. Entièrement. Dont le nombril. Nombril compris. Nombril compris. Oui, parce qu'il faut y aller, quoi. C'est pas... Ouais, bah... ouais, surtout qu'on a un gros bide. Hein. Cette conversation bon, devient... Bref, non, je ne sais pas si Philippe Catherine est propre ou pas, mais une énigme de la cérémonie d'ouverture persiste, et pas des moindres. Quand, vous vous souvenez, la cloche s'est soulevée, il y avait des fruits, il y avait des fleurs et un bleu d'Auvergne. Oui, oui, un bleu d'Auvergne. Et vous ne trouvez pas qu'il est étrangement positionné à côté de son sexe? Est-ce un hasard ou y a-t-il quelque chose à comprendre? Le bleu, c'est de la peau, enfin, c'est du moisi, hein, quelque part. C'est pour ça que c'est bon qu'on aime ça tellement, nous, les Français. Vous parlez du fromage ou du sexe? Eh bien, justement, c'est l'analogie que vous êtes en train de faire actuellement. Je me posais la question, parce que oui, vous êtes assez saisissante. Oui, c'est ça. Personne ne m'en a jamais parlé. Vous êtes le premier. Mince, vous voulez dire que je suis un peu tordu, quoi. Je crois bien que vous êtes bien pêcheur. Je suis bien pêcheur. Je crois qu'on ne dit pas ça, on dit chépère, perché. Enfin bref, voilà, j'ai première nouvelle, j'ai ravalé ma rancune et du coup, j'ai quand même voulu lui demander quelques petits conseils pour me démaquiller, maintenant que j'étais en rouge. Moi, quand je suis revenu des JO, déjà, on m'avait décapé un peu avec les professionnels maquilleuses. C'était très gentil avec moi. Quand je suis revenu à la maison, ma compagne m'a mis sous la douche, m'a décapé pendant au moins 2 heures. C'était un moment privilégié dans notre couple. Je peux vous dire qu'en rouge, moi, j'ai pas eu le même traitement, d'ailleurs. Mais qui vous a décapé? Bah, moi, tout seul. Et c'est pour ça que cette chronique se termine avec un non merci, la production qui ne m'a pas aidé. Bref.